Après, le groupe H est un groupe qui, a priori, semble abordable. Mais vous savez que dans le football, on doit toujours rester humble. Donc, nous allons aborder ce groupe avec respect. Le respect de tous nos adversaires, mais avec sérieux, avec abnégation. Nous ferons en sorte d'être qualifiés, Inch'Allah, pour la Coupe du Monde 2026. Les terrains qui sont homologués, vous devez y jouer, quoi qu'il arrive. Donc, ce sera le même problème pour tout le monde. Mais il faudra qu'on se mette dans l'esprit que si on veut gagner, il faut gagner partout. Si on veut se qualifier, il faut gagner partout, quel que soit le terrain.